Si tu as faim, passe ton chemin. <laughs> si tu as faim, passe ton chemin. Là, euh, je suis désolé de te le dire, mais je risque de te couper l'appétit sévèrement. Si tu veux rester auprès de moi... Euh... Je sais pas, t'as as un seau à côté, t'as as quelque chose pour pour t'éviter de, de rendre l'âme euh, et de rendre ton repas. Je, je ne sais pas. Je vais je vais te causer de quelque chose qui risque de susciter quelques émois, d'accord, euh, dans ton ventre, <laughs> au, au moins dans ton ventre. Bon, alors je savais, c'est pas un mystère, je savais que les Japonais étaient les maîtres incontestables de l'animation c'est pas un mystère c'était déjà vrai quand j'étais gamin et que, et que fleurissaient des séries animées comme comme tu sais les chevaliers du zodiaque dragon ball Oliver tom georgie les Oscar, et j'en passe c'est des meilleurs mais mais il semblerait que le temps qui passe a raffermi cette certitude les japonais sont les maîtres incontestables de l'animation Aujourd'hui, par exemple, il y a Tokyo Ghoul. Ouh, 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 ouh. Tokyo Ghoul, tu m'as entendu? Alors, juste une parenthèse. Mes enfants à moi, mes enfants à moi, mes enfants de, de moins de 13 ans, euh, regardent les dessins animés japonais des années 80 avec le même appétit que moi à leur âge. On les regarde ensemble. Alors on regarde pas Tokyo Ghoul ensemble, hein. c'est c'est pas l'heure. Mais les dessins animés des années 80, on les regarde ensemble, alors qu'un film des années 80 leur paraîtra daté, ennuyeux. Et c'est toute la beauté de la chose, tu vois, c'est c'est ce que j'appellerais l'intemporalité du talent. C'est comme un gosse d'aujourd'hui qui écoute Michael Jackson. C'est aussi frais pour lui que si Michael venait de sortir un album. Bref. Il y a, y a tout un canon idéologique et mythologique derrière l'animation japonaise. Au même, titre que, au même titre que Disney, par exemple. Et, et, et c'est un canon euh, qu'on pourrait analyser des heures durant, tu vois. Alors aujourd'hui, coco cocotte, aujourd'hui précisément, on va s'occuper de Tokyo Ghoul. Voilà, on va s'occuper de Tokyo Ghoul et plus précisément de son personnage principal Ken Kaneki. C'est joli comme nom, non? Ken Kaneki. Alors il y a, y a pas mal de choses à il y a pas mal de choses frappantes à en dire. Que tu aimes ou que tu n'aimes pas l'animation japonaise, peu importe. Euh, alors comme dirait notre ami Yukihira Soma. Wagario. Si tu me suis sur SoundCloud et je sais que tu m'y suis, comment vivre autrement Tu sais qui est Yukihira Soma et ce que veut dire Wagario. Alors, Wagario Je ne crois pas me tromper. Je ne crois pas me tromper en disant que toutes les séries animées japonaises dérivent de manga. Oh, la révélation. Hey, c'est le Da Vinci Code ici, hein T'entends ça Toutes les séries animées japonaises dérivent de manga. les mangas. Les mangas, les, les célébrissimes bandes dessinées japonaises, quoi. Enfin, euh, je crois que toutes les séries animées japonaises dérivent de mangas, j'en suis pas certain en fait, mais, mais il me semble. En tout cas, euh, c'est vrai pour Tokyo Ghoul, euh, dont la parution papier a débuté en 2011 et se poursuit de nos jours. Alors, moi, j'ai pas lu le manga. Arrête de me poser la question. J'ai pas lu le manga. J'ai plongé tête bêche dans l'anime. Tu vois, je préfère. Alors, le titre de l'œuvre est relativement explicite. Tokyo Ghoul. C'est l'histoire d'une ghoul. Tokyoite. Tout simplement. Ken Kaneki. Et de sa, et de sa spectaculaire et douloureuse accession au pouvoir. Voilà, c'est ça Tokyo Ghoul. Alors pour les incultes, pour les incultes, il est temps, il est grand temps même, de définir ce qu'est une goule avant de poursuivre ce que je te raconte. Alors dans les folklores arabes et occidentaux, la goule est un monstre femelle. Désolé mesdames, hein, mais voilà, c'est le folklore qui veut ça. C'est une euh, c'est une créature démoniaque qui se nourrit à la fois de la chair des morts et de celle des vivants. C'est une sorte de vampire qui ne se contente pas du sang de ses victimes, mais, euh, mais ingurgite toute la carte du restaurant, quoi. et te retourne l'assiette et te la boulotte jusqu'à la dernière goutte. J'avais euh, un très bon copain d'origine arabe dans le temps qui s'appelait El Ghoul. C'était son nom de famille, El Ghoul. Si tu m'entends, copain, bon appétit le mot goule d'origine arabe a certainement donné l'adjectif français goulu. Quelqu'un de goulu est quelqu'un qui, qui, boulotte, qui boulotte avec avidité, tout simplement. C'est quelqu'un qui, qui bouffe avec, euh, avec célérité, même, tu vois. C'est ça, la goule. Alors revenons à Tokyo Ghoul maintenant, les, les folklores s'exportent, on est d'accord, tout s'exporte de nos jours, et à commencer par, euh, à commencer par les histoires, euh, les ghouls japonaises sont mâles et femelles, pas seulement femelles, ah la parité enfin, elles, euh, elles concurrencent les êtres humains dans la ville de Tokyo, tu vois. on assiste à une opposition classique entre les forces du mal que représentent les ghouls et les humains civilisateurs. Alors, évidemment, évidemment, t'emballe pas. Tout n'est pas si simple et tranché, loin de là. Autrement, quel intérêt. Hein ken Kaneki, alors voilà, Ken Kaneki, Kaneki Kan. Comme on dirait en japonais, pardon pour l'accent pourri. Tu sais qu'au Japon, on commence par décliner son nom de famille avant de prononcer son prénom. Tu vois, c'est le nom de famille et puis ensuite le prénom Kaneki Kan. C'est comme ça qu'ils le disent dans le dessin animé, Koneki Kan est étudiant à l'université, au commencement de l'histoire. Il est étudiant à l'université, c'est un orphelin, c'est important de le dire, c'est important de le préciser, ça va jouer un rôle dans l'histoire, c'est un orphelin, comme tous les héros d'aventure. En cela, il est, euh, il est tout à fait similaire euh, à Luke Skywalker. Euh, euh, Héraclès, même si Héraclès a un papa, un papa divin en la personne de Zeus, mais, mais bon, il est resté quand même sans nouvelles de Zeus pendant quelque temps. Bref, Ken Kaneki est un héros orphelin. Euh, alors, il est, euh, il est faible. Il est faible, il est naïf, il est angélique, il est un télo, il a un petit visage, des petits garçonniers comme ça, tout mignon. On n'a qu'une envie au départ, c'est de le protéger, tu vois. Il n'a qu'un seul copain à lui, tu vois, il a qu'un seul copain. Ce copain, c'est Hide. Alors, Hide, il est un peu plus fantaisiste et dégourdi que Ken. Alors, les deux copains, tu vois, les deux copains se retrouvent après les cours dans un, dans un petit café cosy, un petit café un peu branchouille. Alors, ils y sirotent leur petite collation et, et discutent nana, discutent fait d'actualité, avenir. Des gamins, quoi. Des gamins, tout simplement, qui discutent entre eux. Alors, juste une petite précision géographique. Euh, c'est important. Euh, Tokyo est divisé en arrondissements, comme Paris, tu vois. Et les goules par la violence, se propagent d'arrondissement en arrondissement aux grands dames des forces de police et notamment du CCG. Le CCG, c'est quoi C'est la brigade spéciale anti goules une sorte de de FBI, du surnaturel. C'est important que tu le saches parce que le CCG va jouer un rôle crucial dans notre histoire. D'accord CCG. Bon. En attendant d'en découdre avec le CCG, un <laughs> premier spoiler, je suis dégueulasse moi. Euh, en attendant les voilà, que les hostilités commencent, Kaneki a fait la connaissance d'une nana une nana aux cheveux violets dont il est dont il est gentiment amouraché tu vois alors il se confie à Idée parce que parce que il ose pas il ose pas aller la voir cette fille aux cheveux violets il est timide c'est un petit garçon comme ça qui, qui est tout timide c'est un millénial tu vois c'est un millénial c'est un, un gamin d'aujourd'hui qui est tout timide comme ça il veut pas il veut pas mal faire il voudrait bien faire mais il sait pas comment faire donc il se confie à son copain Hidé qui lui conseille dans sa dans sa bonhomie, dans sa bonhomie punk, il est un peu punk comme ça, idée, il lui conseille de se jeter à l'eau, tu vois, jette-toi à l'eau mon frère, tout simplement. Alors, Lise, c'est le nom de la fille, Lise, la fille aux cheveux violets, finit par prendre les devants, parce qu'à un moment donné, elle s'impatiente, la demoiselle, tu c'est bien beau d'avoir affaire à faire un millénial, mais à un moment donné, il faut que ça tourne. Donc, elle s'impatiente. Elle va, elle va prendre les devants. Elle va prendre les devants, Lise. Elle avoue à Kaneki partager ses sentiments. Elle le plaque contre elle dans une allée sombre. Carrément, tu vois. Genre, voilà, en mode 21e siècle, tu vois. Je te plaque contre moi dans une allée sombre. C'est une pick-up artiste, Lise, en fait. C'est une experte en drague de rue, tu vois. Mais 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 c'est surtout une goule. Bah oui. Elle veut faire du gentil Kaneki, son goûter. Eh oui. Derrière les lunettes d'un télo, derrière les cheveux violets et le sexe et le sex d'un génu se cache. Se cache une dévoreuse parmi les plus terribles. Alors, Ken, Ken euh, ne doit son salut qu'à un accident de chantier providentiel, parce qu'il en faut toujours. Tu vois. <laughs> un échafaudage leur tombe sur le caillou. Lise meurt sur le coup. Ken survit miraculeusement. Le savant fou qui le réanime à l'hôpital lui greffe les organes de Lise pour s'assurer sa survie. Et c'est ainsi que Ken le Kanak devient un métis homme-goule, s'il te plaît. Une goule borgne. Tu vois, il intègre les organes de Lise et il devient à son tour une goule, mais une demi-goule. Une goule borgne, comme disent les goules des Saints-Pires, qui font la différence entre les goules borgnes et les goules des Saints-Pires. Tu vois, normal. Lise, euh... Lise, la petite Lise, n'aura pas, le... pas eu le temps de le bouffer. Tu l'auras compris, mais elle l'a Pénétré, Ken est alourdi de lise. Il ne peut plus consommer que de la chair humaine. À son tour, alors il est, il est, euh, il, est il est, en détresse, le gamin. Tu vois, il est, en, il est en dépression totale. Je veux dire, dans son grand désarroi. Notre, notre héros d'aventure est recueilli par les gérants du café. Tu sais, le café où il traînait ses guêtres avec son copain Hidé. Il est recueilli par les gérants du café. Le café s'appelle Antique. Alors Antique, à la française, Antique d'antiquité. Antique. Les Japonais disent Antique. C'est le nom du café en question. Antique. Donc il est recueilli par cette, cette nouvelle famille. Et il se trouve d'ailleurs que les propriétaires de ce café Antique sont des goules. L'appel de l'aventure a sonné, Coco. L'appel de l'aventure a sonné. La vie de Ken Kaneki peut enfin commencer, il était temps.